Et on commence donc avec la hausse spectaculaire du nombre de morts sur les routes du Loir-et-Cher. 14 morts depuis le 1er janvier, c'est 5 fois plus par rapport à l'an passé, à la même époque. Le préfet a donc décidé de contrer cette tendance. Écoutez-le au micro d'Anaïs Michaud. L'essentiel des accidents graves de la circulation sont dus à deux facteurs qui se cumulent souvent, la vitesse et l'alcool. Et sur les accidents mortels de ce début d'année en Loire-et-Cher, 60% de ces accidents étaient dus à ces deux facteurs. Les sanctions administratives seront durcies à compter du 19 mars et le programme d'implantation des radars sur le bord de nos routes sera poursuivi.